Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler d'un accessoire indispensable que tout photographe se doit de posséder à un moment donné ou à un autre, parce que tout simplement ça ouvre beaucoup de possibilités de prise de vue. Alors cet accessoire, tu l'auras compris, c'est le trépied. Le trépied peut être employé dans tout un cas d'usage. Ça va tout simplement de la photo de nuit par exemple, de la photo macro, mais aussi de tout un tas d'autres pratiques photos, et dont certaines qu'on ne pourrait pas nécessairement associer, a priori, avec le trépied. Je pense à la photo sportive, je vais te faire voir pourquoi à la fin. Ça peut être aussi de la photo d'architecture, la photo d'objets, du portrait, etc. En fin de compte, on peut employer le trépied dans pratiquement tous les pratiques photos. On utilise le trépied tout simplement parce que la possibilité de stabiliser le matériel permet tout de suite soit de baisser la valeur ISO, soit de fermer le diaphragme pour avoir une zone de netteté, une profondeur de champ plus élevée. Et puis bien sûr, ça évite aussi les flous de bougie, hein. Donc finalement, tu vois, tu peux utiliser le trépied dans pratiquement toutes les pratiques photo. Par exemple, l'architecture, c'est vrai que en général, tu as besoin d'une zone de netteté, donc une profondeur de champ assez élevée. C'est de la photo un petit peu comme la macro, où on prend son temps, où on cherche à faire quelque chose avec un standard de qualité assez élevé. Donc en général, on baisse la valeur ISO, etc. Eh bien, avec le trépied, ça te permet tout ça. Ça te permet aussi de bien fignoler ton cadrage, tu vois, par exemple. Donc tout ça, tu vois, tu retrouves cela finalement dans toutes les pratiques photo, hein. Le soin du cadrage, le soin d'avoir, le souci d'avoir une photo la moins bruitée possible, d'avoir le moins de flou de bouger possible, etc. Donc finalement, tu peux utiliser le trépied dans tous les cas de figure, pratiquement tous les cas de figure. Alors, bien sûr, il n'existe pas vraiment de manuel, de bouquin dédié à l'utilisation du trépied, quoique ça pourrait être intéressant de recenser un petit peu justement toutes les mises en œuvre d'un trépied associé à différents types de prises de vue, hein. Je sais pas, encore une fois, ça peut être le portrait, la photo d'architecture, la photo sportive, etc. Bref. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui, d'autant plus que finalement des fois tu vois, quand je me balade autour de genre de bâtiments historiques, je suis toujours surpris de voir que des gens qui ont pourtant des boîtiers experts utilisent leur trépied un peu n'importe comment. D'employer son trépied n'importe comment, j'allais dire, c'est ton choix, c'est ta liberté, sauf qu'à un moment donné ça peut comporter des risques pour ton boîtier, ton objectif, hein, parce que si tu mets mal en œuvre ton trépied, eh bien non seulement tu vas pas obtenir l'effet désiré, hein, c'est-à-dire un gain de stabilité, mais aussi il peut y avoir des risques de basculement du dispositif et donc de chute de ton matériel photo, hein, ce qui serait évidemment regrettable. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser mon trépied, hein, tout simplement. Donc moi c'est un trépied en carbone que j'ai acheté il y a 5-6 ans, hein. Donc tu vois, je l'ai trimballé un peu partout, voilà, hein. Il est toujours dans ma voiture, tout ça. C'est un trépied en fibre de carbone, pardon, de marque Vanguard. Le point particulier, c'est qu'en fait, le dispositif là pour déployer les différentes sections là des pattes, c'est des éléments vissants, hein, pour serrer donc les différentes sections, hein. Aujourd'hui, ce serait à refaire. Tu vois, je préférerais un trépied avec des éléments à clips, tu vois, parce que c'est plus rapide et à mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a moins ce risque-là de basculement du trépied. Je vais te faire voir après pourquoi. Alors bien sûr, quand ce trépied, je l'avais acheté à peu près 200 €, hein, de mémoire. Bien sûr, quand je l'avais acheté sans la rotule. Donc la rotule, c'est l'élément, d'accord, c'est cet élément-là, hein, qui vient se visser sur le trépied. Alors l'intérêt, c'est qu'encore une fois, selon ton budget, tes besoins, tu t'achètes le trépied et la rotule qui correspond à tes besoins et à ton budget. Et puis tu peux du coup après réemployer soit le trépied avec une autre rotule, soit la rotule avec un autre trépied. Ça c'est une rotule de marque Manfrotto. Voilà, j'ai aimé le concept de la poignée voilà. Donc tu vois, ça se visse tout simplement. Tout ça, c'est les éléments vissants à savoir. Souvent, on pose la question, mais c'est en fait c'est universel. Enfin, c'est un standard de pas de vis. C'est bien sûr c'est le même que le pas de vis que tu trouves sur ton boîtier. Que ce soit un réflexe, un bridge, un hybride, un mirrorless pardon, et ou un compact. C'est la même section du pas de vis. Donc tout ça, c'est parfaitement standardisé, heureusement d'ailleurs. Et puis voilà, donc pareil, la rotule, j'avais dû le payer 150 € à peu près, de mémoire. Bon, aujourd'hui, bien sûr, tu la trouves pour moins cher. Je crois que récemment, là, je l'avais vu dans un acte de promotion pour 80 €, tu vois. Mais bon, c'est surtout sur la mise en œuvre du trépied que je vais te parler aujourd'hui. Alors la première chose à savoir, bien sûr, c'est quand tu mets en œuvre ton trépied, eh bien, tu commences déjà par, bien sûr, comment dirais-je, étirer les pattes, j'allais dire, au maximum de leurs possibilités. Tu fais pas ça, typiquement. Souvent, encore une fois, je vois des gens qui utilisent leur trépied comme ça. Tu penses bien sûr, qu'en termes de stabilité, c'est pas le top. Donc, non, tu déploies au maximum de leurs possibilités les pattes du trépied. L'autre chose à savoir, c'est qu'en fait, tout simplement, il faut toujours mettre une patte du trépied dans la direction où tu vas photographier, devant toi, si je puis dire. Et puis toi, bien sûr, tu te tiens là dans cet espace, là, dans cet intervalle entre les deux pattes, donc du coup sur les côtés. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que avec ton boîtier, encore une fois, le but c'est de stabiliser l'ensemble, de sécuriser la mise en œuvre de ton matériel. Eh bien, c'est que s'il y a un coup de vent ou si par inadvertance tu choques un peu ton trépied, ton dispositif, ou si un passant vient, voilà, eh bien c'est que ça bascule sur le côté, donc tu peux facilement rattraper, et non pas vers l'avant. Voilà, justement, cette patte permet d'empêcher que le dispositif bascule sur l'avant. Justement, je vois beaucoup de gens qui, curieusement, trouvent pratique d'utiliser leur trépied comme ça. Je sais pas pourquoi. Parce que là, non seulement ton matériel risque de basculer vers l'avant, mais en plus, tu vas même te prendre un coup de patte dans les couilles, tu vois. Au cas où t'es un mec. Mais enfin, même si t'es une nana, à mon avis, ça doit pas être agréable. Enfin, bref. Donc, premier point, on écarte les pattes du trépied au maximum. On met toujours une patte dans la direction, enfin droit devant nous, dans la direction enfin perpendiculaire à l'axe du corps, d'accord. Et puis voilà. Troisième élément, je déploie les différentes sections du trépied. Selon le diamètre du trépied, c'est-à-dire que la section la plus fine, avec le diamètre donc le plus petit, c'est la section que je vais utiliser, que je vais déployer en dernier. Toujours pareil, parce que cette section étant plus fine, elle est moins robuste. Dans l'absolu, elle peut toujours plier, se casser. Bon, il en faudrait beaucoup aujourd'hui, parce que bon, vu que c'est du fibre de carbone, mais bon voilà, je te retransmets les éléments tels que, j'allais dire, académiquement tu les apprends. Voilà. Et si tu as encore besoin d'une hauteur supérieure, eh bien là, en dernier recours seulement, tu déploies la colonne. Parce que je vois souvent finalement, quand je me balade, des gens qui, au contraire, commencent par déployer la plus petite section de leur trépied. Et en plus, il déploie la colonne. Alors chacun fait ce qu'il veut, Sauf que, comme ça, tu vois bien que c'est quand même vachement moins stable. Et forcément. Donc c'est pour ça, on déploie la colonne en dernier et on déploie plutôt les pattes dans l'ordre de grosseur du... la largeur du... enfin le diamètre de la section du trépied. Hein. Ça c'est le... voilà. Et déjà, en faisant comme ça, tu as déjà très peu de risques. Enfin, tu as déjà très peu. Tu réduis quand même significativement les risques de basculement de ton dispositif. Alors tu vois, ce qui est chiant avec les éléments vissants, c'est que tu as vu, c'est que c'est pas super rapide à mettre en œuvre, donc pas super pratique. Et puis surtout, en extérieur par exemple, enfin ou même en intérieur, des fois tu vas déployer les pattes et puis bah, par exemple si tu es en extérieur et puis qu'il fait froid, etc., puis que tu as des gants, etc., enfin bref, t'as pas la même, t'as pas la même sensation, quoi. Et tu serres pas suffisamment les éléments vissants là, ah, bien sûr il veut pas. Enfin, ce que je voulais te faire voir, c'est que quand c'est mal vissé, tu vois, tu peux avoir un risque comme ça de basculement, hein. Bon, c'est pas du tout serré, donc bah, tu vois, là, même comme ça, enfin voilà, et donc là, risque de chute. Voilà. Alors là, tant que j'y suis à te faire voir les éléments qu'il ne faut pas faire, c'est pareil. Ça, faut éviter de faire, d'accord? Parce que, tu vois, quand bien même, là, je sais que mon plateau, c'est un plateau métallique, etc., et que c'est particulièrement robuste. Bon, puis là, heureusement, la terre est gorgée d'eau. Enfin, heureusement, je sais pas si... enfin bref, tu vois, là il a pas mal plu ces derniers temps, donc je sais que la terre est gorgée d'eau, puis bon du coup c'est quand même assez meuble, ça va absorber le choc, mais t'imagines bien que là si mon boîtier avec l'objectif, eh bien arrache le plateau là de la rotule, et puis donc bien sûr chute à terre, ça serait pas très cool, quoi. Donc le style explorateur là, avec le trépied sur l'épaule, avec l'objectif au bout, enfin le boîtier et l'objectif au bout, franchement je te déconseille. Donc voilà. Alors après, l'autre élément, je vais quand même m'assurer que tout enregistre, tout se passe bien, parce que ça fait jamais que la quatrième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo. Ouais, voilà, ça va, ça enregistre. Donc le but de cette vidéo, bah, c'est de faire voir comment déployer, comment mettre en œuvre ton trépied, eh bien, pour sécuriser ton matériel et bien sûr que ce soit le plus efficace possible en termes de stabilisation. Alors sur les trépieds un peu plus qualitatifs, souvent tu as un crochet là ici, eh bien ça sert tout simplement à accrocher, à fixer à un sac. Bon, en général, on en profite pour fixer le sac photo, hein, ce qui donc du coup alourdit l'ensemble et donc le stabilise d'autant mieux. Et puis j'allais dire, ça sécurise aussi ton sac, bah parce que tout simplement pendant que tu es concentré sur la scène que tu veux photographier, tu vas avoir ton sac, admettons, derrière toi, puis bien sûr si tu es dans un lieu de passage, un lieu touristique, tu peux toujours avoir un risque malheureusement, eh bien, que quelqu'un parte avec le sac, tu vois. Donc là j'allais dire, tu fais une pierre de deux coups. Alors après, là tu vois, là j'utilise un mousqueton, bah parce que si tu as un trépied plus entrée de gamme, tu sais, souvent ici tu as un élément métallique là, qui permet de... enfin comment dirais-je, qui vient solidariser la colonne avec la première section du trépied. Et bien là avec le mousqueton, tu vois, paf, tu fixes ton ensemble comme ça, tu vois, quand bien même il n'y a pas de crochet en bas. Sur certains trépieds entrée de gamme, bah c'est le cas. Mais au moins, bah voilà, comme ça tu te débrouilles quand même, eh bien, pour solidariser l'ensemble, hein. Alors après, la petite astuce que je voulais te faire voir, hop. Des fois, tu vois, moi c'est souvent mon cas, quand je fais de la photo en extérieur, j'essaye en fait d'avoir le minimum de matériel, hein, je cherche pas du tout à m'encombrer. Puis donc du coup là tu vois mon sac là du coup en gros il n'y a plus rien dedans hein, donc évidemment ça joue pas vraiment son rôle. Et bien tout simplement avec un sac plastique, alors là j'ai pris un sac poubelle. Tu prends le genre de sac poubelle, tu sais ceux qui ont un système comme ça de anse là. Bon bah ce sac tu le remplis de ce que tu as à disposition, hein, par exemple de terre, de cailloux, voire même de, je sais pas, de branches, enfin tu vois ce que je veux dire, de sable, enfin tout ce que tu veux, de glace, si tu es au pôle Nord. Et puis ben hop, tu fixes ça là-dessus, là pareil, avec le mousqueton. Et puis bah du coup ça va alourdir l'ensemble. Alors bien sûr quand tu t'en vas, bah du coup tu vides ton sac poubelle, et bien sûr ton sac poubelle, tu repars avec, ça va sans dire. Donc voilà une astuce qui est bien pratique. Alors la dernière chose que je voulais te dire, et bien en fait lorsque tu déploies ton trépied, et puis que tu es dans un sol soit en pente ou carrément une vraie pente que j'allais dire, à flanc de montagne comme dirait l'autre, et bien c'est de toujours veiller à ce que ta colonne soit la plus verticale possible. Je vais te faire voir là sur le petit talus là sur le côté. Donc là tu vois que si je veux faire de la photo là ici par exemple, je vais placer mon trépied, voilà comme ça, tu vois que j'ai bien mis bien sûr ma patte dans la direction dans laquelle je veux photographier, mais là bien sûr tu vois bien qu'il y a un déséquilibre, donc il y a un manque de stabilité et puis il y a un chute du trépied dans cette direction. Bon bien sûr moi je serai en mesure de le rattraper, mais enfin c'est pas l'idéal. Donc là je vais donc rétracter l'une des sections de la patte avant du trépied. Alors toujours pareil, je rétracte la jambe la plus, enfin avec le diamètre le moins large, hein. Et là ici j'essaye de ramener ma colonne le plus verticalement possible. Bon, sur la plupart des trépieds tu as un petit niveau à bulle qui va t'aider à placer ça grosso modo, hein. C'est pas non plus on n'est pas au dixième de millimètre près non plus, hein. Mais voilà. Et là, j'ai ma colonne verticale. Eh bien, j'ai ma colonne justement quasiment parfaitement verticale. Et là, vraiment, je peux faire mes photos en étant assuré que mon matériel ne va pas basculer. Encore une fois, d'autant plus avec la stabilisation ici, hein. Alors après, pour en revenir un petit peu au cas d'usage, c'est un questionnement intéressant, parce que suivant ta pratique de la photo, suivant la photo que tu cherches à faire, eh bien tu vas devoir chercher des caractéristiques, hein, sur ton trépied. Par exemple, récemment là j'avais fait une photo où je te parlais un petit peu de mon kit minimum de matériel indispensable, hein, si je devais partir en vacances à l'autre bout du monde, le matériel minimum que je ne pourrais pas vraiment me passer, ou que je ne voudrais pas, ou que je ne souhaiterais pas me passer pour faire le type de photo que j'aime. Et un Christophe m'avait fait la remarque en me disant, tiens, mais dans ton kit là il n'y a pas la place pour un trépied. Alors j'allais dire, moi j'allais dire, si, dans l'absolu, si j'ai de la place, je prendrais le trépied que j'ai, c'est-à-dire celui-ci. Alors, il n'est pas lourd, mais tu vois, là, ça doit faire quoi, 80 cm, là, ici. Ah, la section, enfin, les dimensions, j'allais dire, minimales, là, tu vois, repliées, c'est à peu près, 70-80 cm. Donc, ça tient dans une valise. Mais tu vois, typiquement sur un sac photo, le solidariser avec le sac photo quand tu es en vadrouille, etc., c'est pas le top. Donc tout ça pour te dire que dans le cas où, par exemple, où tu es assez nomade, et que pour ta pratique photo, typiquement paysage ou ce genre de choses, eh bien tu veux t'équiper d'un trépied, bon bah là tu vas chercher certaines caractéristiques de trépied. C'est-à-dire des trépieds vraiment... très compact, très léger aussi, bien sûr très robuste. En général, ça va être des trépieds plutôt en aluminium, hein, pour les baroudeurs. Voilà, ça peut être un cas d'usage. Alors moi, bien sûr, j'ai acheté ce trépied-là, c'était plutôt effectivement pour vue d'architecture, vue de la macro, hein, je t'en ai déjà parlé, un peu de pour faire de la photo de portrait, ce genre de choses, hein. Moi, c'était pas trop le souci du baroudeur. Alors, par exemple, justement, lié à la macro, je déploie ma patte. Alors par exemple dans ma pratique de la photo macro, je vais en mettre bien au centre. Hop là. Donc dans la pratique de la photo macro, je cherchais certaines caractéristiques. La robustesse, hein, tu vois, ce trépied, je te dis, il est toujours dans ma voiture. Alors par exemple, tu vois, ce qui est pratique sur les trépieds vraiment, j'allais dire, à un minimum qualitatif, tu as certains détails qui sont intéressants. Par exemple, là, ici, tu as des coussinets, hein, bien sûr, mais quand tu les visses, eh bien, ça déploie des, comment dirais-je, des pointes, des crampons, si tu préfères, eh bien, qui, lorsque tu mets le trépied, bien sûr, tu le positionnes là comme ça dans le sol, eh bien, les crampons vont s'enfoncer dans ce qui constitue le sol. Donc, suivant les cas, de la neige, de la glace, de la terre, de la glaise, du sable, enfin, et ça va contribuer, même modestement, mais ça va contribuer quand même, eh bien, à assurer la stabilité de l'ensemble, bah, parce que comme ça peut pas, plus difficilement, entre guillemets, déraper, hein. Alors moi, ce qui m'intéressait dans ce trépied, c'est que je pouvais l'utiliser dans le cadre de la macro, par exemple, en déployant la colonne. D'ailleurs, tu remarques, en désolidarisant la colonne, je peux limite m'en servir de trépied, hein, enfin de trépied, de monopode. Alors évidemment, j'ai pas beaucoup de... Comment dirais-je de... Enfin, j'ai pas une colonne suffisamment grande, mais bon, bref, ça peut quand même dépanner. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était en fait, par exemple, de pouvoir refixer ma colonne de cette façon. Tu vois, ce qui a différents cas d'usage, soit de la photo comme ça, verticale. Si je veux photographier du dessus, alors là, encore une fois, là, ici, là, je fixe mon sac, hein, pour éviter que ça bascule dans cette direction, tu vois, donc je photo comme ça vers le bas. Alors ça peut aussi être d'ailleurs une, je sais pas, admettons une aquarelle, etc., que je vais chercher à photographier pour la reproduire, hein, par exemple. Tu vois, ça peut être aussi de la photo d'objet. Mais je peux aussi l'utiliser dans le cadre de la photo sportive. Parce que, tu vois, quand je suis comme ça, en mode poursuite, tu vois, je peux être comme ça. Si je suis un véhicule ou ce genre de choses, voilà, je peux utiliser mon trépied de cette façon-là. Alors tu vois que c'est aussi un intérêt, notamment d'ailleurs si tu fais aussi de la vidéo, hein, tu vois, par exemple. Alors après, ce qui m'intéressait aussi dans les caractéristiques de ce trépied, eh bien, c'est qu'en fait, je peux complètement déverrouiller comme ça le déploiement des pattes. Tu vois, plutôt que d'être bloqué comme ça, eh ben, en appuyant sur ce bouton là ici, tu vois, je peux complètement déployer les pattes du trépied. Et là, je suis quasiment au niveau du sol. Alors quand tu fais de la macro, ça c'est quelque chose de super important parce que là, tu gagnes de la stabilité. Donc dans l'absolu, bien sûr, au niveau temps de pose, au niveau profondeur de champ, c'est essentiel en macro. Tu vois. Et j'allais dire, je peux même faire, limite, de la photo en contre-plongée, hein, avec mon trépied. Si je photographie une plante, par exemple, une fleur. Donc c'est vraiment l'idéal. Bah écoute, c'est tout pour cette vidéo sur la mise en œuvre d'un trépied. Je t'ai présenté quelques cas d'usage de trépied. Donc j'espère t'avoir démontré qu'on peut utiliser en fait un trépied dans de multiples cas. Et que c'est vraiment très vite indispensable, hein, pour un photographe. Bah écoute, une fois de plus, on se dit à bientôt. N'hésite pas à liker, à partager auprès d'un collègue auprès de qui ça pourrait rendre service. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!